Achita. ¡Hola! Bonjour et bienvenue à Marrakech. Attendez-moi, j'arrive. On finira par les mosaïques. Bah alors, mais qu'est-ce que vous faites? Dépêchez-vous, vous êtes en retard. Brian, dites-moi, mademoiselle Samantha, vous êtes sûre de vouloir venir avec nous? Ah bah oui, pourquoi cette question? Il y a trop de monde, c'est ça? Non, mais c'est... Si vous voulez, c'est une sortie nature. Bah oui. Pas naturiste. Ah bah non. Bon, bah écoutez, je vais me changer, je vais mettre quelque chose de moins léger. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc... je disais quoi? Oh, Samantha, regarde dans le fond de la piscine, là-bas. Oh, mon Dieu. Ok. Appelez les pompiers. Je fais 18. Ah, ben non, on est au Maroc. Alors, tu fais le 00-33-18. C'est bon, là, je peux reprendre mon cours de plongée? Oui, bien sûr. Mais bon, soyez prudents parce que je serai pas là tous les jours pour vous rescourir. Hein, hein. Bon, allez. On se met de profil et on va toucher maintenant ses pieds avec ses mains. Attention, c'est prêt, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Plus souple, Jean-Michel, plus souple. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. On y va. 32. Attention, plus bas, Nadine, plus bas. Allez, dernière ligne droite. 91, 92, 93, 94, 95, 97, 97, 98 et 100. Ah, très bien. Attention. Maintenant, on attaque les pompes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chantal? Qu'est-ce qu'il se passe? T'entends rien? Non. Exactement, on n'entend rien, ça me perturbe. Ah mais moi je peux pas dormir avec tout le silence, hein. C'est pas comme à la maison. Et toi? Moi je dormais super bien, mais tu me réveilles. Ah bravo, tu te la joues perso? Bon, heureusement que j'ai apporté quelque chose contre l'insomnie. Mais dis pas que tu vas mettre de la musique à 4h du matin. Non, attends. Comme à la maison. La bimbo de la buena.
Hatchet. Chanteur, réveille-toi. On va être en retard au cours d'aquagym. Oh, mais t'as vu l'heure, on est en vacances. Ah non, 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 non. Bon, tu fais ce que tu veux, mais moi, j'y vais. Bon, et puis j'espère que cette fois-ci, on va pas se disputer pour ces histoires d'arbitrage. Nous sommes en vacances, quand même. Oh, ça risque pas. J'ai trouvé un truc infaillible pour juger l'impact des balles. Comme ça, s'il y a faute, on le saura tout de suite. C'est ma petite surprise. Ah ! La colle. Y'a que ça de vrai. On continue. Un beau match, hein. Bravo. On va déjeuner. Oui. Bon, allez. Samantha. Samantha, tu peux m'aider à me cacher avec la serviette le temps que je mette mon maillot de bain? Oui, bien sûr. Merci. Bonjour, bonjour à tous. Ici, c'est Brian, votre animateur. Oh, t'as vu? C'est la voix du beau Brian. J'adore sa voix. Je vous rappelle que ce soir aura lieu la grande soirée dansante espagnole. Et ceci, c'est pour vous mettre dans l'ambiance. Oh! Je reviens. C'était à ça des trous. Ok, je recommence. Ok. Ok, je reviens. De la lune. Chantal, tu peux me dire à quoi tu joues, là? Non, c'est parce que j'essaye de dormir. Chica! Oh!
Salam alaikum. Laisse-moi faire. Alors, toi, toi, pouvoir nous, avec copine Chantal, nous emmener vers le désert, voir Oasis, 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 avec Chameau, Chameau. Ok, bon, toi, capiche, nous deux? Parfaitement, je suis guide professionnel depuis 10 ans déjà, je parle 5 langues couramment, et en plus je suis docteur en paléontologie, donc... D'accord, on a de la chance, Chantal. Bon, alors, toi, pouvoir nous emmener dans Oasis? Oups. On dit que les villes du Maroc sont très dépaysantes. Alors c'est vrai, hein, mais en même temps, il y a plein de choses comme chez nous. On a des boutiques, ils ont des boutiques. Ils ont des salons de thé, on a des salons de thé. Ils ont des vendeurs à la sauvette, on a des vendeurs à la sauvette. Ah, par contre, il y a une grande différence, c'est que nous, on a des chiens et eux, ils ont des chameaux. Ah ben là, tout de suite, tu vois, j'aurais préféré qu'ils aient des chiens. Tu vois la piscine? Oui. Je la trouve vraiment magnifique. Hein. Oh, moi aussi. Mais alors, ceux qui m'insupportent par-dessus tout, ce sont les gens qui mettent leurs serviettes pour pas qu'on leur pique leur transat. Ah, ça va. Ah non, mais tu sais que cet après-midi, il y a deux familles qui se sont disputées, tout ça pour une histoire de transat. Hein. Ah oui, non, mais tout ça pour un transat. Oh. Ah non, moi, ça me... Voilà, ça recommence là-bas. Oh là là. Voilà. Ah, les gens sont stressés. On est en vacances, le cadre est magnifique. Et... Je sais pas toi, mais moi, je suis cravé, cravé. Hein. Oh. Hein? Oh là là, c'est incroyable comme elle est belle, l'herbe ici. Hein. On devrait venir pique-niquer. Hein, Samantha? Excuse-moi, l'appel de la tourista, c'est plus fort que tout. Mais dis-nous, on dirait que ça s'arrange pas. Ben non, mais heureusement qu'il y a des toilettes partout ici. Bon, d'accord. C'est des toilettes à la turque. Bon, moi, ce qui est pratique, c'est que c'est bien signalé par les petits drapeaux blancs ici. On continue. Oh, j'aimerais bien revenir avec quelque chose, quand même. Oh, regarde ça. Oh, ça ira super bien dans ta chambre, tu sais, de chaque côté du lit. Ah, tu crois? Oui, oui. Je vais même en prendre un pour moi. Attends. Excusez-moi, monsieur, je voudrais savoir si on achète l'ensemble. Vous nous le faites à combien? Je vais demander. Oui, très bien, merci. Merci. Et Momo, on peut faire un prêt pour les trois poufs? Ah, excusez-moi, on n'est que deux, hein? Chantal? Oui? Je t'ai fait une petite surprise. Hein? J'ai demandé au chef de nous faire une dinde à l'orientale. Alors, au lieu de la farcie au marron, et la farcie au piment. Ça, c'est l'alcool de date. C'est le frère de Youssef qui l'a fait. 80 degrés. Ça met dans l'ambiance. Au Maroc, c'est très simple, tu dois toujours négocier. Oui, bien sûr. D'accord? Donc, par exemple, si tu veux payer 100 dirhams, ouais,
Le vendeur, lui, il va te dire 150. Là, tu dis 50. Donc, il va continuer en disant 120. Là, tu dis 80. Il va terminer avec 100 et ça sera bon. D'accord? D'accord. Ok. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Alors, voilà. Je voudrais savoir si vous les aviez en 36. Ah, non. Je les ai qu'en 42. Je veux bien monter jusqu'à 38. Non, mais je les ai qu'en 42, je t'ai dit. Bon, je vais jusqu'à 38 et demi et pas plus. Parce qu'après, je flotte dedans. Momo, je crois qu'on a un petit souci, là. C'est bon, je crois qu'on a fait une bonne affaire. Alors, c'était comment le souk? C'était super. J'en ai même profité pour acheter ton cadeau de Noël. Ah bon? Oh, mais tu peux chercher, hein? Tu vas pas le trouver. Je l'ai caché. J'ai même bien caché. Mais il est où? On va à la piscine. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il est arrivé un malheur à ton cadeau. Tu l'as cassé? Non, pire. Je l'ai perdu. Je sais plus ce que j'ai mis, j'ai tellement bien caché. J'ai regardé à gauche, j'ai regardé à droite, je sais pas. T'as regardé dans ton dos? Mais non, il est pas là. Ah, mince. Tu me pardonnes? Oh, ben bien sûr. Monsieur Père Noël, je voudrais juste vous rajouter deux petites choses sur ma lettre que je vous ai envoyée. La première, je voudrais une gel là-bas. Et la deuxième, c'est un service à raclette pour ma copine Chantal. Bon, alors écoute, pour les gel là-bas, je peux peut-être faire quelque chose. Par contre, pour le service à raclette, je suis pas sûr de tout. Hein. Et puis moi, mon nom, c'est pas Noël, c'est Mohamed. Ah, j'aurais dû m'en douter. C'est vrai que votre reine ne porte pas de clochette. Tu devineras jamais. Non. Oh, je le savais. J'ai acheté un sympa pour Noël. À Marrakech? Oh, génial! Non, il est là. Ah, ben, t'as qu'à le mettre là-bas. Ah, écoute, si ça ne te dérange pas, je préfère autant le mettre là, hein? Et voilà. Ah ben c'est toujours ça le problème avec les buffets. Tout le monde arrive toujours en même temps. C'est pour ça que je commence toujours par le dessert. Ensuite je prends le plat principal et ensuite je prends l'entrée. Ah c'est pas bête ça. Oui. Et ensuite? Ben ensuite je prends le couvert et l'assiette. Dis au fait, tu veux pas que j'aille te chercher un peu de dessert? Il y a de la mousse au chocolat. Oui, ça devrait aller. T'es sûr? Oui, oui. T'es mignonne. Oh, c'est gentil. Oh là là. Oh, t'as un peu de mousse au chocolat. Ah. On a encore un peu. Attends, excuse-moi. Je vais essayer de lancer. Oh là là, Je voulais te dire que j'étais super heureuse de passer ce Noël avec toi. Oh, au fait, j'y pense. Et si je te disais que je t'avais acheté un sac pour Noël, ça te gâcherait la surprise? Oh, bah oui. Bah, ça tombe bien. Je t'ai acheté un collier. Oh, ça va dedans.
Chantal? Oui. Tu peux venir m'aider à faire le nœud, s'il te plaît? Bien sûr. Voilà, tu mets ton doigt là. Ici. Et là. Attends, bouge pas. Bouge pas. Parce que tu... Et voilà. Là, il y a un petit problème. J'ai mon doigt qui est coincé. Il va falloir le déballer. Ah non, 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 non. Je connais la tactique. Tu ne déballeras pas ton cadeau avant Noël. Et Noël, c'est dans une semaine. C'est bien ce que je dis. Il fait chaud. Dépêche-toi, il y est presque. Bonne nuit. Au fait, ouvre bien l'œil ce soir. On sait jamais. Peut-être que le Père Noël y va passer. Bonne nuit. Bonne nuit. Oh, bah dis donc. J'ai oublié d'aller me brosser les dents, moi. C'est le Père Noël. Bonjour, Père Noël. Alors, est-ce que vous avez été sage cette année? Oh oui, Père Noël. C'est pas ce que Samantha m'a dit. Elle m'a dit que vous voliez souvent son rouge à lèvres. Oh, pas souvent. Ah si, souvent tu me... Oh, oui, oh. Dis donc, elle est où Samantha? Merci. Elle est dans la salle de bain en train de se brosser les dents, c'est ça? Je vais la rejoindre. Au revoir, Chantal. Dites-moi, Père Noël, n'avez pas oublié mes cadeaux? Comment? Oh, les cadeaux, je les ai oubliés. Ah, ça, c'est embêtant pour un Père Noël. Il faut que je vous laisse maintenant. Je dois encore visiter 300 chambres dans la salle de bain. Oui, oui. Au revoir. Alors, ça va? Dis-moi, il s'est rien de passé spécial pendant mon absence, hein? Non. Le Père Noël n'est pas passé? Non, non. Ah bon? Qu'est-ce que j'ai entendu? Vous avez dit à votre ami que je ne suis pas passé. Mais c'était une blague. Ah d'accord. Oh d'accord. Dis donc, c'était bien drôle comme blague. Bon, ben je vais y aller maintenant. Merci, au revoir Chantal. Mais dis donc Père Noël, il y a Samantha dans la salle de bain, voyons. Ah oui, c'est vrai. Ben, je vais prendre la sortie, alors, de la chambre. Excuse-moi de vous déranger, je viens de croiser le Père Noël qui vient de me dire qu'il y avait quelqu'un de coincé dans la salle de bain. Vas-y, Samantha. Ah non, je suis Batman. Oh, vas-y, Batman. Merci. Merci. Ça fait mal. Alors on a été sage cette année? Oh oui, Père Noël. C'est pas ce que votre amie m'a dit. Elle m'a dit que vous voliez le gelé de rouge. C'était génial, toi. Dis ton texte. Excusez-moi, j'ai entendu dire qu'il y avait quelqu'un de coincé dans la salle de bain. Je... Chantal, oui. Joyeux Noël. Merci, ça
Samantha. Qui y a pensé? Mais bien sûr, enfin. Oublier le cadeau de sa meilleure copine le jour de Noël. Mais tu me prends pour qui? C'est bizarre, il a l'air d'avoir déjà été déballé. Oh, un slip de bain pour homme. Ça, pour une surprise. C'est... Ça te plaît? Ben non. Enfin, je veux dire oui. Oh, oui. Attends, c'est pas fini. Joyeux Noël! Oh, un deuxième slip de bain. Dis donc, heureusement que j'ai aimé le premier. Hein. Ah ben oui, heureusement, parce qu'au départ, c'était pour Brian. Mais c'était pas sa taille, c'était beaucoup trop petit. Alors à la place, je lui ai offert la télé extra plate que je devais t'offrir. Ah. Mais attends, tu voulais lui offrir deux slips de bain? Ah non, 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 pas du tout. Le deuxième, c'était pour Jean-Michel. Mais c'était pareil, c'était pas sa taille, c'était trop grand. Alors du coup, je lui ai offert ton deuxième cadeau. Le lecteur DVD portable. Mais bon, l'important, c'est que tu aies deux cadeaux et eux, un seul. Bah, t'es ma meilleure copine quand même. J'espère que c'est ta taille parce qu'après là, j'ai plus de cadeaux. Hein. Alors, ce cadeau-là, il va te plaire. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Bah rien. Pardon. Quoi? Bah rien, j'ai rien dit, ouvre. Bon. Oh, c'est un serpent à sonnette. Mais pourquoi tu fais cette tête-là? Ah, c'est la sonnette qui te plaît pas? Bon, on va la changer, c'est pas un souci. Alors t'as celle-là. Puis t'as celle-ci aussi. Mais ma préférée, c'est celle-ci. Joyeux Noël! Ah mais ça, je t'avais prévenu, Samantha. Un crabe, ça pince très fort. Oui, mais je pouvais pas savoir qu'il était vivant. Ben oui. Y a Brian qui arrive. Je te laisse. Samantha, j'ai... Oui? J'ai quelque chose d'important à t'annoncer. Tu n'as plus ta tourista? Non, je... Ah, tu as toujours ta tourista? Oui. Non, enfin, oui, enfin, je n'ai plus la tourista, mais je suis venu te demander autre chose. Ah bon? Je suis venu te demander ta main. Mais Brian, je ne peux pas te donner ma main, ni même un pied d'ailleurs. À la rigueur, je peux te donner ma chaussure, mais c'est Samantha, je... Oui? Je suis venu te demander en fiançailles. Ah! Et je dois faire quoi? Bien, c'est simple. Tu dois tendre ta main et... Et accepter cette alliance. Oh mon Dieu, Brian! C'est le plus beau jour de ma vie! Après le jour où je suis née, parce que si j'étais pas née, il n'y aurait pas eu de plus beau jour. Bien évidemment. En revanche, tu dois tendre l'autre main. L'alliance se passe à la main gauche. Ah, pardon. Oh non, c'est pas vrai. J'ai vraiment pas de chance. Chantal, regarde ce que j'ai apporté pour le dessert. Oh, t'es folle, toi. Oh, flatteuse. Et tu sais, j'ai pensé... C'est pas vrai. Ah si, je t'assure, j'ai pensé. Ah. C'était une bonne idée qu'on passe Noël ensemble, toutes les deux ici. Bah, ça nous a permis de découvrir de nouveaux paysages. Mm-hmm. Bah oui. Oh, mais comme cet après-midi. La randonnée en chameau. Oh, tu sais, quand le premier chameau est venu vers toi, comme ça, et t'as regardé... Oh, ça m'a fait rire, ça. Et puis, je savais pas que ça bougeait autant là-haut, tu sais. Ça blanche à gauche, à droite, de droite, à gauche, en arrière, en avant. En arrière, en avant, deux fois. Et parfois ça secoue, ça secoue, ça secoue, ça secoue, ça secoue. Oh, je te jure, ça m'a donné le mal de mer. En même temps, je sais pas c'est quoi le mal de mer. Parce que je suis jamais montée sur une mer. Ça m'a donné par contre le mal de chameau. Ça, oui. Oh, et puis le tien. Quand le tien, il s'est arrêté tout d'un coup et t'as pas arrêté de faire des signaux comme ça, t'as fait coucou, coucou, coucou. Oh, qu'est-ce que ça m'a fait rire. Oh là là. Chantal, je suis désolé que tu me vois dans cet état, mais
Je supporte pas trop les bulles. Oups. Bon, ben, Samantha, je suis là pour vous dire que, bon, ben, je vous aime, quoi. Mais moi aussi, je vous aime, Jean-Michel. Mais je vous aime d'amitié. Voilà. Parce que moi, j'aurais voulu vivre une histoire avec vous. Enfin, devenir votre oreille, votre confident, quoi. Oh, d'accord. Vous voulez que je vous dise mes petits secrets, c'est ça? Ça, j'adorerais, oui. D'accord, bon. Alors, vas-y. Confidence pour confidence. Chantal et moi, on vous surnomme le gros lourdeau. Chut. Que ça reste entre nous. Non, non, c'est super sympa d'avoir recréé une ambiance de Noël à Marrakech. Ah ben, avec Chantal, on a tout mis dans la valise. Hein. Les boules, les guirlandes. Bon, j'ai oublié le sapin. Mais c'est là que j'ai eu l'idée. Non, non, très très réussi. Hein. Merci. Puis c'est une belle preuve d'amitié de sa part. Hein. Ah ben, avec Chantal, on est comme les deux pieds de la main. Hein. Ah. Pas vrai, Chantal? Bah alors, Chantal, qu'est-ce qui t'arrive? Tu clignotes plus? J'ai fait un planning de toutes les activités du club. Hein. T'as raison, il faut absolument qu'on s'organise. Alors, le petit déjeuner est de 8h à 9h. Moi, je réserve de 9 à 10. Ben, je prends de 10 à 11, alors. Parfait. Alors, le déjeuner, par contre, il est de midi à 13h. Mm-hmm. Moi, je vais réserver de 13 à 14. Ben, 14 à 15, alors. Oh, ben, génial. Bon, moi, j'y vais. Et tu me rejoins à la piscine. D'accord. Oh, parfait. Je crois qu'il faut que j'y aille, là. Je prends de 9 à 10. Samantha, elle a pensé à tout. J'ai une technique secrète contre les voleurs de dunes. Regarde. Tiens, s'il te plaît. Merci. Tu veux ton casse-croûte? Non, merci, j'ai pas faim. T'es sûr? Oui, oui. Bon, ok. Ah, excuse-moi, j'ai un appel. Attends, je me déplace, ça capte mal. Allô? Oui? Oui, oui. Chantal, c'est pour toi. Ah bon? Oui, je sais pas qui c'est. Allô? Allô? Ah mais non, mais mets ta tête sur le sable, sinon t'entendras rien. Allô? Je me demande pourquoi ils appellent ça des potes. Oui. Oh, mais c'est quoi cette balle? Où ça, ça doit être à Brian. Oh, ben regarde, il nous fait signe là-bas. Ah, ah, ok, d'accord. C'est ça. Mais de rien. Qu'est-ce qu'il est mignon. Ça fait 3 jours qu'on est là et on l'a toujours pas fait. Mais enfin, on n'est pas seul, ça pourrait déranger les gens ici. Attends, il y en avait 2 hier qui l'ont fait sur la plage et personne n'a rien dit. Enfin, tu le ferais ici, toi? Mais moi, je le fais partout. Tu l'as même fait au bureau. Oui, enfin, j'ai failli me faire virer quand même. Allez, un petit coup, vite fait. On les a pris, il faut s'en servir quand même.
d'accord, mais vite fait. Hein. Allô? Allô? Oh, qu'est-ce que ça fait du bien? Tu m'étonnes. Samantha, que tu n'aies pas envie de dormir, c'est une chose. Mais arrête de jouer avec la clim, s'il te plaît. Merci. On est vraiment lisé là. C'est la catastrophe. On n'aurait jamais dû s'en tirer aussi loin. Il reste un peu d'eau. C'est fini. C'est bon, je suis sûr. Il n'y a jamais personne qui va venir vous chercher ici. Chantal, si tout doit s'arrêter maintenant, il faut que je te dise la vérité. Pour ton vernis, j'avais accusé Médor, mais c'était moi qui l'avais fini. Bon, maintenant je peux mourir en paix avec ma conscience. Alors les filles, ça baigne? Ne réponds pas, c'est un mirage, c'est le début de la fin. Tu sais ce qu'il y a de bien dans l'amitié? C'est quand on est deux, et réciproquement dans les deux sens. Et inversement bien sûr. C'est marrant. Cet endroit me rappelle la Bretagne. Tu sais quand on a pris cet hôtel du côté de Saint-Tropez? Ah ben non, je suis bête, t'étais pas en Bretagne, toi. Tu sais quoi? Je me demande si j'ai bien fait de t'échanger contre Chantal, toi. Parce que côté conversation, à part de toi, tu dis pas grand-chose, hein. Tu sais quoi, madame Chantal? Je me demande vraiment si j'ai bien fait de t'échanger contre mon chameau, hein. Allez! Te voilà. Il faut absolument que je te présente mes nouveaux amis. Ah! Alors, là, le petit avec la moustache, c'est Malikoum. Ça va, Malikoum? Là, le grand jeune, ah ben, c'est Malikoum. Ça va, Malikoum? Là, le monsieur, c'est le papa de tous. C'est Malikoum. Ça va, Malikoum? Et là, ben, le dernier, c'est, ah ben, c'est Malikoum aussi. Salam alaikum. Ah non, moi c'est pas Malikoum, c'est Samantha. Voilà. On signe nos cartes. D'accord. Je commence avec la tienne. Chère maman, c'est original. Tout va très bien, je suis au Maroc avec Samantha, c'est moi. Il fait beau, le soleil est chaud et je suis avec plein de beaux garçons. Bisous ta Chantal. Oh, c'est bien, c'est mignon. Tu dis la mienne. Cher Chantal, tout va bien au Maroc avec toi. On s'amuse beaucoup avec toi.
Mais il y a des fois où tu me manques. C'est la nuit quand je dors parce que je ne te vois plus. Gros bisous, à très bientôt. Ta Samantha qui t'aime. Alors ça te plaît? Oui, beaucoup. Bon, ok. Alors, c'est quoi encore son adresse? 42 rue des Violettes. 42 rue des... Oh, c'est marrant, c'est comme la tienne. Ah oui, ça c'est marrant, oui. Alors ? J'ai toutes les barres. Je comprends pas. Allô, maman. Je te... Allô. 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 Bon, voilà. Alors, ça, c'est à vous. Et puis, on a été coupés. Désolé. Samantha? Oui. Regarde ce que j'ai trouvé pour toi. Mais ce sont les dunes d'Achab. Ah, ça, c'est la plage d'Agadir. Oh, et ça, c'est le souk de Marrakech. C'est génial. J'ai trouvé ces cartes postales des endroits où on a été hier, tu vois. Toi qui râlais d'avoir oublié ton appareil photo, au moins, tu sauras comment montrer à tes copines. Oh. Alors. Et voilà. Et voilà. Un, deux. Et voilà. Super. C'est en boîte. Merci Chantal. Oh, Chantal, j'ai une superbe idée. Attends, on va se mettre sur les photos. Ils y verront que du feu. Attention, mets-toi devant. Voilà, attention, t'es prête? Attention, souris. 3, 2, 1. Attends, encore une. Voilà, voilà, attention. Là, on fait comme si on était dans le désert. Fais comme ça. Voilà, génial. Attention, ça c'est la visite. Alors tu fais comme si on regardait un tableau. Un tableau. Regarde le tableau, là-bas, là-bas. Oh, tu fais oh. Et voilà. Je me suis régalé avec ce tagine, moi. Ah bah oui, surtout qu'ils l'ont fait à la marocaine. Qu'est-ce que tu fais, là? J'ai écrit un message pour ma bouteille à la mer. Mais on n'est pas naufragés. Oui, je sais. Mais on sait jamais. Peut-être que le hasard des flots l'emportera vers l'homme de ma vie. Oh, t'as raison, c'est romantique. Qu'est-ce que t'as écrit? Bonjour.
Et voilà, c'est fait. Chantal. Quoi? Regarde, il y a ma bouteille à la mer qui est revenue. Mais vas-y, va la chercher. Oui, c'est vrai. Allez, ouvre vite. Okay. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Bonjour. La discussion s'engage. Ah. Samantha. Ah. Oh ben Samantha, il y a ton cabinet qui grince. Bah non, et pourquoi ce serait pas le tien? Ben je te dis que c'est le tien. Bon ben vas-y, essaie, on verra. Bah oui, t'as raison, excuse-moi. Je vais chercher de l'huile, d'accord? Ok. Oh, il est quelle heure au fait? Je sais pas. Attends. C'est pas bientôt fini ce bouton, il est 2h du matin. Il est 2h du matin. Merci. De rien. Bonne lecture. Samantha. Samantha, tu t'échauffes pas? Oh ben oui, t'as raison. Heureusement que t'es là. C'est bon là? Attends encore un petit dernier, s'il te plaît. Ah! Ok, c'est bon. Bien joué. Je sais, et match. T'as vu le prix? C'est pas cher, hein? Oui, enfin, on est au Maroc, hein, il faut toujours marchander. Ah oui, mais ça, je sais pas faire, ça. Ben, d'emblée, tu divises par deux. Ok. Bonjour. Dites, vous les faites à combien? 300 dirhams les 10. Ok. Allez, 300 dirhams les 5. Et je les prends. Je vais faire un petit tour encore, je suis pas trop sûre. Oups! Oh là là! C'est génial! Baisse-toi, baisse-toi! Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose de bizarre. Ok, passe-moi ta carte bancaire. Mais t'es sûre? Oui, j'ai vu ça dans les films. C'est quoi encore ton code? 3637. 3637. Bah ça marche pas, t'es sûre de ton code? Mais pourquoi tu prends pas la clé de la chambre? Ah bah oui, c'est pas bête ça! Je te dis, attention.
J'en étais sûr. Il est revenu le maniaque. Quel maniaque? Bah, celui qui refait le lit tous les jours. Pourquoi tu veux changer? Oh non, change. Pourquoi pas tu veux changer les choses? Oh non, change. T'as quoi ce jour? Pourquoi tu veux? C'est clair. Tu m'étonnes. Samantha! T'es bon, on peut y aller? 2 minutes. On ne sait jamais à quelle vitesse ils arrivent. On y va maintenant. Chantal, je pense qu'on peut y aller là. Ah. Non, je pense quand même que c'est trop risqué. On va essayer plus loin. Oui, tout de suite. Alors. Allô? Bonjour, c'est Samantha Lowe. Dites, on a un petit souci. Oui, on a un problème avec le tuyau de la douche. Vous passez quand? Très bien, on vous attend. Au revoir. Alors, il passe quand? Jeudi en 15. Il peut pas avant. Il est super débordé. Et en plus, il le fait parce que c'est nous, hein. Comment ça, parce que c'est nous? Oui. Tu sais, c'est le petit plombier qui est venu réparer mon évier la dernière fois. Il y a qu'en lui que j'ai confiance. Non mais attends, Samantha, comment il va faire? Il habite Argenteuil. Oups, c'est vrai, t'as raison, je suis sotte. Allô Raymond? Oui, c'est Samantha. Dites, j'ai oublié de vous donner notre nouvelle adresse. Vous voyez Roissy? Ok. Alors vous prenez le hall numéro F, vous prenez l'escalator, vous arrivez à une hôtesse avec les bagages. Bah oui, il faut des bagages, Raymond. Bon, vous demandez Marrakech, Samantha Lowe. Voilà. Samantha, tu diras ce que tu voudras. Pamplemousse. Hein? J'ai dit ce que je voulais. J'avais pensé à asperge, oui. Mais j'aime pas. Si. Oh là là. Alors, bon, alors Samantha. Oui. On va tout reprendre. D'accord. Voilà. Prenez comme ceci. Oui. Ok. C'est plutôt comme ça. Hein. Hop. Voilà. Et on frappe la balle. Le geste très fluide. Hein. Ah ok, j'ai voilà. Tout compris. C'est compris. Oui, merci Brian. Bon, allez. Regardez la balle. Vous la voyez? Non. C'est normal, elle est loin. Allez, on reprend. Merci Brian. Ah non, mais c'est pas comme ça du tout, hein. Attends, je vais te montrer. Alors, mets-toi en position. Mais mets-toi en position. Oui. Bon, alors, non, c'est pas comme ça. Alors, tu mets ton doigt là, comme ça. Non, non, non. Alors, maintenant, alors, tu fais comme ça. Et là, tu fais un geste bien fluide et tu fais... Et voilà. Bravo, bien joué. Allez, on y va.
sûr qu'on joue comme ça? Mais oui, c'est comme ça que Brian m'a expliqué. Ah bon. Tu te rends compte? Un nouveau cordage à 300 euros. Ah non, mais ils vont m'entendre, hein, je te le promets. Ah non, mais t'as raison, hein, la qualité, c'est vraiment plus ce que c'était. Hein. Bon, ramasse les balles, je vais les rapporter à la boutique. Heureusement que les balles, c'est du solide. Hein. C'est sûr. Samantha, tu te rends compte que t'es restée ici toute la journée, avec le temps qu'il fait? Alors laisse tomber ton puzzle et viens avec moi. Et dépêche-toi, sinon tu vas louper le coucher de soleil. C'est dommage, parce qu'au début, je suis allée super vite. Mais là, je sais pas pourquoi, je bloque. Ah oui, puis moi, j'y connais pas grand-chose en puzzle. Hein. C'est pas grave, je terminerai ça une autre fois. Je pense qu'on est en train de passer de bonnes vacances. Ça, c'est sûr. En attendant, dodo. Je sais pas ce que j'ai, mais je tiens plus debout, moi. Ah, mais ça, c'est à cause du décollage horaire. Hein. T'as pas sommeil, toi? Non, non, je vais me faire un petit zapping et puis dodo. Oh, mais d'accord. Bonne nuit. Bonne nuit. هل هناك وسائل قياس ستعتمد؟ Mais t'as pas dormi? Tu savais qu'on avait 400 chaînes? Ah non, 401. 402. 403. Comme tu es belle. C'est vrai. Oh bah tu sais, comme c'est notre premier réveillon au soleil ensemble, j'ai décidé de mettre tous mes nouveaux bijoux. Oh. Mais il est minuit. Bon année. Bon année tout le monde. Bon année. Bah alors Chantal, putain, bouge pas. C'est la nouvelle année quand même, il est minuit. À Paris, ici il est 23h, le décalage horaire. Ah. Bon, bah écoute, on a une heure pour tout remettre en place, d'accord? Bah je range les confettis. Samantha, tu devrais arrêter les merguez à l'ail. Oh, c'est bon. Ce sont les dernières de l'année 2005. Samantha, il y a Brian qui arrive. Bon, je te laisse. Salut, Samantha. Alors, on se la fait, cette bise? Tu lui as fait? Mais je sais pas, il est super émotif. J'ai juste fait un baiser comme ça. Oh, tu sais, Chantal, pour l'année qui vient, j'ai décidé de prendre de nouvelles bonnes résolutions. Hein? J'ai décidé de m'occuper beaucoup plus de toi, car tu es ma meilleure amie, et c'est important de s'occuper de sa meilleure amie. Attends, je reviens. Et en effet, c'est important de revenir sur ce point-là, parce que cette année, je me suis beaucoup occupée de m'aider mon petit chat. Et puis après, tu sais, tu connais le problème habituel. Se laver tous les matins, tous les soirs, qu'il faut que je m'occupe beaucoup plus de toi, que je sois à ton écoute, que je sois là aussi vraiment quand tu as besoin de moi. Enfin, tout ça pour te prouver chaque jour. La chose qui compte le plus pour moi, c'est que je t'aime.
Eh bien, elle aura attendu le dernier soir pour se déclarer, ma petite sirène. Hein? Allez, va danser. Viens, viens, viens. Chantal. Allez, viens. Chantal. Samantha, je dois t'avouer quelque chose. Mais oui, Brian, je suis tout en écoute. Voilà, j'ai eu un coup de foudre et je suis tombé amoureux d'une fille. Elle est belle, elle est intelligente, elle est blonde et elle s'appelle Sarah. Salami ? Non, non. Elle s'appelle Samantha. Et en plus, elle a le même prénom que moi. Que le hasard est cruel. Ah, Samantha, vous êtes une étoile dans le firmament de la Voie lactée. Ah ben non, ça m'étonnerait parce que je suis allergique au lait. D'ailleurs, je vous ai pas dit, j'ai eu mon BEP en astronaute. Ah, ça veut dire que vous connaissez les noms des étoiles. Ah, je les connais pas personnellement. Hein. Ah. Je connais, disons, leurs petits noms. Ah. Alors, c'est quoi, celle-là? Ah, ça, c'est la constellation du Sagittaire. Oh. Ah, oui. Et alors, ce paquet qui scintille là-bas, c'est quoi? Ah, alors ça, c'est la nébuleuse de Beltégueuse. Ah. Oh, ben celle-là, je la connais, moi. C'est l'étoile du berger. C'est le lampadaire du tennis. Ah! Ah, ben celle-là, je la connaissais pas. Oui, oui, oui. Dis donc! Oh, t'es drôlement belle déguisée en princesse. C'est vrai, tu trouves? Ben oui! Oh, c'est parce que Brian s'est déguisé en prince charmant. Alors moi, je me suis déguisée en cendrillon. Oh, oui. Ow. Ow. Salut Samantha. Oh. C'est bientôt la nouvelle année. Ah ben oui. Alors tu danses, Cendrillon? Avec plaisir. Ça veut dire qu'il est presque minuit. Ben ouais. Oh mais non, c'est pas vrai. J'ai vraiment pas de chance. Thank you.